bonsoir à tous, ici Bpixar Gaming sur une nouvelle vidéo de Metro Last Night 2033. Donc aujourd'hui nous allons pas voir ensemble comme d'habitude le lundi Monster Hunter, ce sera décalé à mercredi, c'est pas bien grave. Donc dans la dernière vidéo je me souviens plus trop de ce qu'on avait fait, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Il me semble que nous essayons d'échapper à des nazis et je crois qu'on avait réussi, je m'étais arrêté à peu près là il me semble. Donc on va reprendre tout de suite. J'ai sauvé Pavel de la pendaison. Il dit qu'il m'amènera aussi près de police que possible. Ensuite, je contacterai l'ordre pour les informer de tout ce qui s'est passé. Le chemin vers le célèbre théâtre se trouve dans les catacombes. Je n'y ai jamais mis les pieds, et sans mon nouvel ami, je serais sûrement complètement perdu. J'espère qu'il connaît son chemin. Voilà. Donc du coup, c'est très intéressant qu'ils aient mis ce système-là. Ça fait un peu penser... C'est du beau travail, Artyom. Comme... Ça fait un peu penser à The Witcher 3, très souvent. Lorsqu'on reprend le jeu, il y a un petit résumé pour ceux qui auraient laissé le jeu un peu trop longtemps. Les trois mousquetaires, hein? Enfin, s'ils étaient deux. T'as déjà lu ce livre? Il est complexe, mais je l'ai adoré. J'ai toujours voulu être Athos. Toi, tu peux être D'Artagnan, d'accord? Allez, on n'a pas le temps. Il faut aller au théâtre. Ensuite, tu vas à police et je retourne à la ligne rouge, ok? Merde, ça me plaît pas qu'ils aient laissé tomber et qu'ils aient fermé la porte derrière nous. C'est mauvais signe. Alors, on risque peut-être de croiser des créatures, j'imagine. Ah bah. Je l'ai pas trop vu, je sais pas trop à quoi elle ressemble, mais... Ah. Foutu. Putain. Comment ça? Bah c'est ce qu'on va voir. Ah bordel. On peut pas se replier. Spartiate, Moscou est juste derrière nous. En avant. Stop. Merde. C'est pour ça que les fachos coupent la lumière. Ces trucs n'aiment pas ça. D'accord, Spartiate. Le son rapide. Les balles ne servent à rien. Mais s'ils craignent la lumière, alors on va leur en donner. D'accord? D'accord. Ça sert de tuto, en fait. Comment on met la lumière, déjà? J'ai oublié. Ah, ouais. Un effondrement? Ah, on dirait qu'ils ont fait sauter le tunnel. Il y a peut-être un truc de l'autre côté que les balles n'arrêtent pas. Merde. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Un courant d'air. On doit pouvoir traverser. C'est sympa le coup de... Artyom, aide-moi avec ça. Ah merde. Ok. Ah, faut l'ouvrir rapidement, d'accord. Merde, il y a des toiles partout. C'est pas trop les toiles qui... Petite minute. Ces petits machins n'ont pas pu faire ça. Merde. Je vais avoir de plus grosses bêtes. Artyom, attention. Ouais, il y a des cadavres de partout, le mec il est intéressé par les toiles d'araignée. Attends Artyom, doucement. Sois prudent. Ça me paraît bon. Allons-y. Alors, faut pas être arachnophobe, hein. Un puits. C'est haut. On pourra pas y grimper. Ok. Espérons que le monte charge fonctionne bien. Oui. Le générateur marche. Moi je regarde toujours derrière moi. Allons faire un tour avec ça, d'accord ? Par précaution. Par contre, c'est un petit peu chiant que mon personnage n'a pas de dialogue, puisque du coup, l'autre il parle tout seul. Bordel ! Pourquoi il s'arrête ? Le disjoncteur est mort ou quoi ? Merde ! Allez,
Bah tu gueules, forcément ils nous ont entendu. Bordel, on est en plein dans leur nid. Putain, ils sont nombreux. Ah. Ah ouais, d'accord. Mais je fais comment moi? Attends. Tu vois son ventre? C'est son seul point faible. L'armure supérieure est trop solide. D'accord. Bon Artyom, si on rencontre un de ces machins, allume ta lampe jusqu'à ce qu'il se mette sur le dos, compris? Ces plumiers ont horreur de la lumière. C'est quoi ma lampe en fait? Attendez, désolé, hein, je suis obligé de regarder. Ouais. Désolé, hein, je regardais comment mettre la lumière en fait, parce que je vois pas. Ah! Ah, un scorpion! D'accord. Il a l'air de bien se débrouiller. Attendez, je vais juste regarder, y a pas autre chose qu'on peut faire? Non. Artyom, la lumière! Crame-la, merde! Mais je fais comment? Tiens, prends ça, saleté! Hé, hey, t'aurais pu m'aider? On est des mousquetaires ou pas? J'en sais rien, moi. Mais c'est pas des araignées, en réalité, c'est des scorpions, ça. Bah, ça ressemble à des scorpions. C'est bien des arachnéides, mais ils font pas de toile d'araignée, les... Les scorpions. Le théâtre ne devrait pas être loin. Ouh, c'est haut. Ouais bah tu sautes. Voilà. Oh. Allons-y. Attends, c'est bien ça. Attends. Encore elle. Retiens-les, Artyom. Qui elle? Mais retenir qui? Ah. Voilà, tiens, mon briquet te va te faire mal. Si je dois faire quoi? Ah, elle était là, la lumière. Bah, je me disais qu'avec mon briquet, j'allais pas faire grand-chose. Voilà, tiens... Tiens, ah, ça vous fait peur. Quand il est sur le dos. Oui, bah c'est bon. Pour utiliser votre chargeur. Mon chargeur. Que dois-je faire? C'est ça un chargeur? Ouais. Ok, il faut connaître, hein. D'accord. Ah, c'est très technique, hein. Ça fait vraiment Seconde Guerre mondiale. Enfin, j'aime beaucoup le côté... il faut... C'est pas automatique, on marche dessus et ça s'active. Vous savez, il faut vraiment aller chercher dans l'inventaire et tout. J'aime beaucoup ça, en fait. Ça fait archaïque, mais en même temps, ça fait réaliste. Et on s'imprègne bien de l'ambiance Seconde Guerre mondiale et tout. Enfin, après-guerre. Fais comme moi. Ah, ils vont revenir les autres machins là. Ah voilà. Allez, attends, vas-y, j'aimerais bien en tuer au moins un. Ah, là. Voilà. C'est dégueulasse. C'est bon? Je fais comment là? Allez, je vais t'aider. Ouais, tu vas mourir, toi. Ah non, dommage. Ouais, vas-y, faut courir, faut pas perdre son temps ici. Ah. Ouais, on y va. Oh.
je peux pas te répondre alors. Y a lumière, là. Allons-y. Ah. Alors ça vous plaît, hein? Vous en pensez quoi, sale fumier? Wow. C'est bon, on craint rien ici. Ouais. Attends un peu, Artyom. C'est dangereux sans lumière. Laisse-moi fabriquer une torche. Parfait. Lumière. C'est bon, on y va. Merde. Artyom, reste près de moi. Ah, attends. Viens, allez, allez. Moi, je les vois pas. J'ai l'impression qu'il y a rien, c'est juste du son. C'est marrant ça. Merde! On dirait une serrure électrique. Bon, les câbles vont. Et voilà. Ah, par là. Eh, regarde, D'Artagnan. Il y a de la lumière. Si tu suis les câbles, tu devrais trouver une boîte à fusibles. Ça devrait ouvrir la porte. Mais la batterie est sûrement morte. Quand tu la trouveras, attache-y ton chargeur. Tu es en train d'ouvrir la porte, compris? Ok. Ah non, effectivement, il y a bien des créatures. Il faut que j'aille où, du coup? Ah. Allez, ta mère, toi. En fait, il est lent, mon personnage, hein, je trouve. Ah, lui, il est un peu plus fort, lui, non? Ah, c'est marrant. Ouais, ils sont... Ils sont bien mignons, hein, mais bon. Ils sont pas très résistants. Des pneus. J'ai une tonne de blagues, mais je vais pas la faire. Alors, faut que je fasse quoi là? C'est scripté, évidemment. J'ai activé la lumière, donc les machines, les créatures, elles s'activent. Allez, on court. Parce qu'il y en a marre d'ici. Ouais. Une ici, j'ai vu. Une derrière moi de créature. Ça devrait être bon là, non? Waouh, c'était super, Artyom. Bonne idée. Ouais? Bon. Et de une. Ah, des rats. Suis-moi. On est presque arrivé au théâtre. L'entrée du métro ne doit plus être loin. Mais peu importe la distance, il va falloir la parcourir à la surface. Et là-haut, chacun de nos pas peut être le dernier. On y est, mon ami. Allez, ressaisis-toi, on a très peu de temps avant la nuit, compris ? Bon, avec l'effondrement du tunnel, le seul moyen d'atteindre l'escalator pour aller au théâtre, c'est de passer par la surface. Et crois-moi, mieux vaut éviter d'être coincé ici dans le noir.
Super, on a de la chance, mon ami. Cet endroit semble habité. Sûrement par des rangers, enfin je crois. Ah ouais, c'est cool. Et quand il y a des rangers... Merde, je manque de filtre. Ah, encore des araignées? Voilà. Bon, allez, prends ce qu'il te faut. On est tous frères dans le métro. Ah ouais. Forcément. Vieux, ta montre me serait bien utile. C'est bien de savoir combien il reste d'air, pas vrai? Je fais comment pour voir ça déjà? Tu sais, il paraît qu'il y a des trucs ici qui résistent même aux balles. T'as vécu de sales moments, je sais. Et attends-toi au pire. Artyom, n'oublie pas, si tu veux vivre, tu dois toujours rester sur tes gardes. Pigé? Impressionnant. On m'a parlé de cet endroit. Cet avion allait à Moscou quand toute la ville a pris feu. Ouais. Le bâtiment où il s'est écrasé, c'est l'entrée du théâtre. La glace fond ici. C'est presque comme le printemps, hein, mon ami. On vivra peut-être jusqu'en été. Attends une petite minute. Il doit y avoir un passage souterrain par ici. Les rangers ne traverseraient pas la place à découvert. Ok. On pourrait marcher sur cette aile, là. Bon, dommage pour le soleil. Ces nuages sont arrivés vite. Il parle beaucoup et j'ai l'impression que c'est vraiment en mode tuto, en mode qui nous explique tout ce qu'on est censé retenir. Par contre, heureusement qu'il y avait les sous-titres, hein, parce que j'ai rien entendu de ce qu'il a dit. Ils sont beaux, les pigeons. On va devoir aller là-dedans, là, non? Alors. On va aller, là. Attends, comment on fait, déjà? Cherche des filtres, Artyom. Tu peux changer de masque, mais fais vite. Ce pauvre gars a plus besoin du sien. De quoi? Espèce d'ordure. Je crois que je vais vomir. Fais attention. Il paraît que ces tunnels cachent autre chose que les mutants. Un bon communiste ne croit pas à l'âme, Artyom. Mais ce putain d'endroit me fait presque douter. Allons vers la lumière. L'éclair là a pas fait venir ce genre une ombre ou un truc comme ça là. C'est très scénarisé. Une fille sur laquelle d'entretien. Ah là. Ouais bon bah là, désolé, je vois plus rien. Hein. C'est ça les hurleurs? Ah oui, ils sont nombreux, hein. Merde. Putain, c'était moi une. Bon, Artyom, finis les conneries. Faut aller à l'avion avant qu'une autre meute se pointe. Mais j'ai même dépêche. Pas... J'ai même pas pu fouiller. On m'a déjà parlé de cet endroit. Il paraît qu'il y a des trucs étranges. Hé, hey, essaie de l'ouvrir. Je vais te couvrir. Attends, c'est moi ou... Attends, ma... Merde. J'ai fait n'importe quoi, là. C'est coincé? Merde, essayons ensemble. Allez. J'ai fait n'importe quoi. Je connais pas bien les touches. C'était pas du tout ce que je voulais faire. C'est bien compris? Allez, on y va. Un ranger m'a dit que c'était un vol pour Majorque. Les familles de retour de vacances, tu vois. Tu sais, Artyom, j'ai jamais vu la mer. Ni même jamais pris l'avion. Ouais, bah
C'était pas prévu. Je me sens... Je sais pas, je me sens bizarre. Ouais. Artyom, tu vois ce merdier toi aussi ? Artyom, c'est quoi ça ? Mais j'en sais rien, merde. Regarde ça ! Hé, ils sont vivants ! De quoi ? Qui est vivant ? Ils sont tous morts, qu'est-ce qu'il me parle lui ? Ah, d'accord. Allez, comme des souvenirs. Il y a du paranormal apparemment, c'est cool ça, j'aime bien. Un dragon. Allez. Artyom, à droite. Je crois que l'entrée est à l'arrière de ce bâtiment. Oh. Merde, oh, un dragon. Vite, tue-le, pousse-le. Je fais comment? Ah, j'économise mes balles, hein. Il va le tuer tout seul, non? Elle était violente celle-là. Ah ouais. Putain, t'es... Hey, tu me revaudras ça. C'était scénarisé? Ok. Foutu hurleur. On a à peine eu le temps de s'éloigner de l'avion. On y était presque, hein. Oh dit ta merde. Et ouais, attends, moi j'ai joué à Rogue Company, moi. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir où je jouais avec Aya. L'entrée du théâtre est au prochain carrefour. Il faut y aller, vite. On peut rien ramasser sur eux. Ah, j'ai dépensé toutes mes... En fait, faut pas dépenser ses balles sur les mobs, en vrai. Ouh. L'entrée de... Allez, économise là. Merde,
averti à la station. Va jusqu'à l'escalator. Descends, ils sont toujours à nos trousses. Attends. Ouvrez, allez. Laissez-nous entrer. Oh putain, il fait mal, hein. Ah, c'est pratique ça. Ouais, balade de santé, non ? Oui. Notre brève visite dans une Moscou morte, un fantôme du passé, est terminée. Pavel et moi, nous sommes encore entraînés, et c'est en vrai partenaire que nous retournons dans le métro. Impossible sinon de survivre dans les terres désolées. Maintenant, devant nous se trouve une station peuplée, le théâtre. Elle est très proche de police. Si Pavel parvient à me faire passer les postes de garde de la ligne rouge, je serai chez moi dans moins d'une heure. Ok. Eh bien, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle aura été assez rapide, je pense. À peu près une trentaine de minutes. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à partager et à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé de ce jeu et si vous y avez joué à la version à laquelle je joue ou la classique. Et surtout, si évidemment ma chaîne vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. D'ici là, mercredi, là qui arrive, je ferai une vidéo de Monster Hunter et vendredi, normalement, une vidéo de Resident Evil. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne semaine, bonnes vacances, bon confinement, on va dire. On va prendre ça comme des vacances, entre guillemets. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !